Bien le bonsoir à tous et à toutes, bien le bonsoir pour un nouveau live. Le nouveau live sur Sekiro, Shadows Die Twice, la suite du playthrough, la suite de nos aventures. Voilà, après le live d'hier, hein, puisque là nous sommes jeudi, hein, voilà, nous sommes jeudi. Pour ceux qui regardent ça sur YouTube, puisque je le stream également, donc tous les mercredis, tous les samedis. Et un jeudi sur deux quand je le peux, donc c'est autant dire que ce live... La plupart du temps, ça va, mais des fois, bah, pendant 3 semaines, t'as pas de live le jeudi, voilà. Comme là, c'est arrivé, du coup, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas streamé un jeudi soir. J'ai failli plus y penser, d'ailleurs, pour te dire. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce que je me fais à manger? Et puis d'un coup, je regarde, je me dis, mais attends, mais j'ai stream dans 1h15, merde. Bon, bah, tout va bien. Tout va bien, nous sommes à l'heure. Impeccable. Bien le bonsoir à vous, bien le bonsoir Badcore, salut Valentino, Lucas Baldini, salut à toi, Soumraka, bien le bonsoir, Jazz, bien le bonsoir, Ita Lucas, salut, Kurilin, bien le bonsoir, Soulja, salut à toi, bien le bonsoir, Christophe Gourmand. N'oublie pas d'améliorer ta flamme de prothèse. Oui, car apparemment une bourse c'était 500, je crois que c'était ça le truc. On m'avait aussi parlé d'un truc qu'il faudrait que j'aille voir pour le cerf-volant. Je crois qu'on m'a donné une astuce. Ça peut être très très intéressante, j'ai hâte de la tester. Renziliax, salut à toi. On m'a donné une petite astuce pour le cerf-volant au Mont Congo ou je ne sais plus où là-bas. Je ne sais plus le nom des... Je ne connais vraiment pas ce jeu encore. Et quand tu le fais qu'une fois... Nous en sommes, à 28h47 de jeu, pas tout à fait 29h. C'est parti, conscient. Moi, je préfère faire continuer, voilà, à nos foutre. Voilà, bien le bonsoir à vous, vous êtes déjà une vingtaine, merci beaucoup. Va au bassin de poison et avance. Normalement, tu as oublié quelque chose. Au bassin de poison. Bassin de poison. D'accord. D'accord. On va faire ça dans un premier temps déjà, regarder un petit peu tout ce qu'on a oublié. Ah oui, putain, ils ont tous la peste. Ils sont tous en train de crever. Oh merde. C'est vrai, il y a ça aussi. Alors, déjà dans un premier temps, pour commencer, premièrement, tout d'abord, nous allons utiliser du coup nos bourses. Voilà. Cet humble montant devrait suffire. Qu'est-ce qu'il y a? Cigarette. Voilà. Regarde-moi ça. L'expulsion de flammes d'Okinaka. Je veux. Information de dernier palier déverrouillé. Cool, merci. Quoi ça? La hache de l'azulite. Affiche des dégâts à un ennemi. Le son du lapis lazuli frappant un ennemi peut dissiper des illusions. Trop bien. La Sabimaru, j'aimerais bien l'améliorer la Sabimaru. Il faudrait que je le fasse. Ouais, je le fasse. Et j'ai la meilleure flamme du coup ou pas? Ah, attends, non. Si. Après, j'ai la flamme sacrée de l'azulite du coup. Coûte 3 putains de 1000. Mais pour cela, il faut que je passe par le parapluie ou par. Non, par le parapluie. Attends. Non. Est-ce que ça se rejoint? Est-ce que de là tu peux aller à là? On dirait que oui. Pont et objet requis insuffisant. Donc oui, ça c'est bon. Ok. Ouais, donc ouais, tu peux passer de là et aller là. Putain, c'est trop bien. La Sabimaru a l'air pas mal aussi. Il faut que je l'améliore. Hein. Il faudrait qu'on l'améliore un peu. Sabimaru, améliorer, c'est ce que je demande. Et après, tu as la perforante. D'accord. D'accord. On va améliorer la Sabimaru également. Voilà, le jeudi soir, encore une fois, c'est compliqué pour moi puisque je travaille un vendredi sur deux d'une manière générale. Mais quand il faut rattraper des heures ou, vous savez, les fameux, pour ceux qui bossent, t'as la journée des vieux, la Pentecôte de merde qu'il faut rattraper dans l'année, t'as ça, et puis t'as des fois l'entreprise qui fait des ponts. Du coup, quand il y a des ponts, ben c'est cool, mais faut les rattraper. Que des trucs de merde comme ça, donc. Et c'est pour ça qu'il suffit d'une fois où ben, je bosse un vendredi pour que pendant 3 semaines il n'y ait pas de live. Voilà, le jeudi soir,
Bon, d'une manière générale, on est quand même pas trop mal hein, à ce niveau-là. Alors. Là. Sabimaru amélioré. Ah, je vous l'ai dit, hein, moi, mais. Mon dada, le poison, le feu. Qu'est-ce qu'on va améliorer? Le poison et le feu. Sabimaru perforante, il me faudrait 1500. Et avec ça, on peut avoir une Sabimaru du tonnerre de Dieu, si je puis me permettre. Ouais, les shurikens, c'est aussi pratique contre ceux qui virevoltent dans tous les sens. Il fallait combien pour l'améliorer? Merde, 3000, je crois. J'aurais pas assez. 3000, je n'aurais pas assez. Ok, pas de soucis. Non, c'était 3000 ou 1500? Non, c'était 1500. Attends, putain. Mémoire d'éléphant, ravie mémoire d'éléphant. Alors, c'était combien? C'était 1500 ou c'était 3000? Non, c'était 1500. Voilà. Voilà, regarde ça un peu pile poil le compte. C'est pas beau, allez. Tiens, voilà de l'argent. Pas de quoi t'acheter un poumon. Sabimaru. Nice. Je les ai améliorés, mais j'ai même pas lu ce que ça faisait, quoi. On va les lire pendant qu'on va changer tout ça. Voilà. Alors. Outil de prothèse. On avait l'expulsion de flammes. Ultra classique. Ultra classique. Et le bonsoir, Biax. On avait l'expulsion de flammes. Ultra classique. Salut, Zerabo. L'expulsion de flammes à ressort. Maintenant, on a l'expulsion de flammes d'Okinaga. Lance des flammes à courte portée. Les dégâts de feu continus infligent l'altération d'état brûlure. Il est possible de maintenir un jet de flammes continu grâce à la résine dans le mécanisme du tube. Toi, tu tires carrément une boule de feu, quoi. Ok. Je mets ça. Et du coup, on avait la Sabimaru. Sabimaru améliorée, Sabimaru perforante. Regarde. Base, on avait que ça, le combo. Là, on a, pendant le combo, R1, attaque avec changement de combo. C'est-à-dire que tu spam R2 comme un enculé, puis tu peux faire R1 pour une attaque avec changement de... D'accord. Et là, combo, la lame inflige des dégâts de vitalité et de posture même lorsque l'ennemi est en garde. Excellent pour le spam. Et R2, R1, attaque avec changement de combo. Ça veut dire que si je fais... Oh, nice! Là, c'est vraiment sympa. Très sympa, j'aime beaucoup. Ok, eh ben c'est cool. On apprécie. Et l'expulsion de flammes. Oh, dévastateur. On aime la pyromancie de Sekiro. Allez, on peut se reposer. On va pouvoir voyager. Alors du coup, j'avais dit de retourner ici. Ouais, c'était là. Et après, donc, Lucas m'a dit de retourner au bassin de poison. Il faudra quand même me préciser un petit peu plus le lieu, Lucas, s'il te plaît. Pas forcément me dire exactement ce que j'ai raté, mais être à poil plus précis, histoire que je ne me balade pas pendant 20 minutes pour rien. Ce serait assez cool. Mange du poisson, ça aide pour la mémoire. Ouais, bah si ça coûtait pas cher, aussi cher, ça serait pas mal. On va retourner voir le cerf-volant. Une ombre. Tu m'appartiens maintenant. Là, j'aime trop ça. Oh. Ou pas. Tu peux les achever quand tu veux en fait. Génial, de la cire. J'adore ça, je m'en mets partout. Je sais pas si tu regardes. Allez, tiens.
Bon, alors du coup, comment ça marche cette merde? Ah oui, le problème en fait, c'est que le cerf-volant, il va... Mais qu'est-ce qu'il fout? Putain, le pifomètre! Mais le pifomètre! On m'avait dit de retourner aller voir le cerf-volant la dernière fois et j'avais pas fait, et putain. D'accord, bah merci mec. Par contre, ça va pas durer éternellement cette histoire, il faut que j'y retourne rapidement. Par contre, putain, il faut aller où? Il faut aller vachement haut en fait. C'est Venarius. Ok. J'ai pas de temps à perdre avec vous, les moines. Donne-moi de la thune. Ah, le cerf-volant est là. Il y a un moyen de... À part là-bas, peut-être. Nice. Oh putain. Et du coup, tu peux t'en servir pour faire une action. Pas ouf. Dans ma tribu, on met du sang sur notre tête. Ça fait viril. Oh putain. Graine de boutrolle. Ok, classe, 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 classe. Alors. Maintenant, on fait quoi? Ça servait à rien de faire ça. Putain, mais c'est quoi qu'on voit de loin? Non, ça... C'est des items, là, qui brillent? Et des emblèmes? Putain, on peut s'accrocher et tout, mais comment je fais pour aller en bas? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, moi, je veux bien, hein, mais... Comment tu fais pour aller là-bas? Tu peux t'accrocher peut-être? Tonton. Oh putain! Ah! Ta mère! Ok, d'accord. Mais putain, et tu fais quoi arriver là? Oh, d'accord. Waouh! D'accord. Ouais, très bien. Morceau de magnétite. Cool. Ok, arrivé là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bon. Nous sommes face à une grotte. Oh putain, mais ça, ne me dis pas que c'est un niveau, quoi. Le niveau continue, ce niveau est vraiment incroyable. Hein, ce... Oh là là. Ok. Ballon Mibou d'esprit. Classe. Bon, bah voilà. Qu'est-ce que... Ah non, attends, tu peux encore aller. C'est aussi si t'avais un checkpoint, c'est peut-être pas pour rien. Niveau interconnecté, les amis. Niveau interconnecté. Ouais. D'accord. Et là, tu fais quoi, le saut de l'ange? Accroché nulle part. Oh!
putain, non. Arrête. Ne me dis pas. D'accord. Ouais, je suis fort à ce point. Ouais, ouais. Yeah! Taste of Pobia! Oh putain! C'est absolument répugnant, je tenais juste à le dire. Le cœur d'un grand serpent qui évoque une plaque mine. Le grand serpent est le dieu de ces terres et son cœur est l'organe dans lequel son esprit réside. Sa forme évoque la plaque mine, mais c'est en fait l'organe d'un dieu. Manger un organe divin empoisonne probablement les corps humains. D'accord, donc faut pas le bouffer. Quoi. Attends, qu'est-ce que j'irais bouffer à un vieux cœur, quoi? Je crois que je débute. Oh, enfin dieu! Regarde-moi ça! Je suis couvert de règles! Oh merde. Ah alors là j'ai repeint le truc hein. Alors DNCO, aujourd'hui on a mis la peinture rouge. Ah ouais, c'est de la belle peinture hein. Ah ouais, j'ai égorgé ta femme. Ah oh, putain. Ah ouais, alors là waouh. Petit ballon mibou encore. Ok, et après ça continue par là. Mais putain, excellent! Là-bas, y'a quoi? C'est le pont qui avait pété de la dernière fois, ça? Putain, trop bien! Oh, trop bien! Goutte de sang du dragon. Bah écoute! Écoute, vu que la goutte de sang du dragon est gratuite, on va peut-être l'utiliser, hein. Moi je dis pas non, hein. Sauvera un peu les PNJ en déclin. C'est trop bien. Franchement, là, je... Merci pour les conseils. Hein. Tu vois, ça, c'est des conseils que j'adore dans les lives, tu vois. Ça, c'est vraiment les conseils extraordinaires. On m'a juste dit, retourne voir le cerf-volant, après... Je sais pas, je m'amuse à niquer tout le monde et à les prendre sous mon emprise. Bon, bah, écoute. On retourne à la maison. Oh mais couvert de sang le gars. Alors. Alors. Mon Congo. Maintenant, on a fait ça, ça, ça. Où est-ce qu'on va aller? Ah putain, il y a la porte de la grotte nuptiale qu'il faut qu'on aille. On peut aller là-bas. La vallée engloutie, je crois qu'on a à peu près tout fait. Ah, il y a le trou d'eau du singe gardien. Ça aussi, il faudra qu'on y aille. Sanctuaire intérieur, c'est là où t'as l'autre là. Qui donne du... Est-ce qu'elle donne du riz là? Parce qu'en fait j'ai l'impression... Est-ce qu'elle te donne du riz à chaque fois que tu tues un boss? On va aller voir. Parce qu'en fait on est allé la voir. Elle nous avait donné du riz. Puis après... Ah bah j'ai plus de riz. Et du coup je sais pas, faut attendre que l'eau elle boue peut-être avant de refaire du riz. Et vu qu'on a vaincu un boss, peut-être qu'elle va nous... En vrai je sais pas à quoi ça sert de qu'elle nous file du riz comme ça. Hein, pour de vrai, j'en sais rien. Ah merde, elle dort. Bah, je reviendrai. Miko no shinobi. Omatsu shite imashita. Sumimasen. Miko no shinobi yo. Okome ga mada minotte oranu mata. Rien en fait. Tu ne me sers à rien en fait. Ouais, je fous un peu le bordel, hein, tu m'excuseras, je ne respecte absolument pas. Bon. Il y avait rien, il y a rien de plus qui pop derrière ou...
On avait rien trouvé nous derrière en plus. Tu peux pas nager, tu peux rien faire ici. Quand même vérifier qu'on puisse pas nager, mais. Ah non. Merde, merde, j'ai fait quoi? Merde, 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 j'aurais pas dû repasser par là, moi. J'aurais pas dû repasser par là. Oh putain, je vais pas retourner là, hein. Oh non, 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 oh putain, il y a encore lui. Sonata. Naze modorareta. Je sais pas, je me suis gouré. Shime nado. Keshite koko ni wa arimasen yue. Qu'est-ce que tu branles ici? Douka shizuka ni okaeri kudasai mase. Bon, hop, allez, on va retourner là-bas. Du coup, on va aller, on va regarder si j'ai pas encore d'autres endroits à aller voir. Sinon, on va aller au niveau après la religieuse corrompue. On va aller faire ça. Je pense que ça peut être pas mal de retourner voir. La religieuse corrompue, on l'a quand même fait il y a combien de temps? Il y a presque une semaine, hein, je crois. On avait terminé le live de samedi soir dessus, je crois. Donc je pense qu'on peut se permettre de retourner là-bas et de voir un petit peu ce que ces portes donnent comme truc. Ah oui, on va peut-être utiliser une truc de dragon. Bah j'ai pas de boss en cours, donc ouais, concrètement on peut. Hein. Vous êtes purifié, ça y est, c'est bon, t'as plus le cancer. Tous les malades de la peste ont été guéris. Impeccable. Nous venons de soigner la peste. C'est genre, bon ça va, petite soirée. Voyager. Ici on avait tout fait, ou de toute façon il n'y a rien à faire ici. Château. Ah on est, on va peut-être retourner voir d'ailleurs le gosse, non? Chambre de Kuro là. On va juste aller voir Kuro pour voir s'il nous dit quoi que ce soit d'intéressant. Ah ouais, le bassin de poison, pardon. Le bassin de poison, il faut qu'on retourne voir. Le bassin de poison, et après on pourra continuer vers la religieuse corrompue qu'il y a au-delà. Franchement, on a visité énormément avant même de faire le troisième boss. Certains me diront que c'est pas bien, d'autres me diront « tu fais ce que tu veux », ils auront raison. Moi, le jeu, s'il ne m'interdit pas d'aller à certains endroits, j'essaie d'y aller. Si c'est trop dur, bah, j'y vais pas. Mais voilà. À chaque fois, on avait pu réussir. Non, j'ai pas de graines de gourde. Donnez la boisse. Hé hey. Alors, on va la droguer et après, on va la violer. いただきましょう。美味しい。何か何か話してください。一つ聞きたい。はい。剣の使用。 剣。私は薬師ですよ。誰だ？一心様です。ですが、ほんのたしなみです。お主の剣気、とてもたしなみとは思えぬ。何のための？人は切りません。人は切らぬ。はい。 人を切りたいなどは梅雨ほども。ただ鬼など出れば切りたいと思っています。鬼。本気に取らないでください。ほんのざれ事です。ではまた。Adieu. T'en as, il te disent allez bye, allez ciao, à la prochaine. Et elle te dit adieu.
peur de cerisier. Salutations, Ogre. Lantaine Lelou, salut à toi. Okami, son sénaka no katana wa moshiya. Fushigiri ni gozaimasu. Sore ga shinanu mono o korosu という katana ka. Hoi, senpouji no ochi no miko yori sazukarimashita. Ochi no miko. Senpouji no mono tachi wa sou o sute shinazu no tankyu ni miryou sarete orimashita. Sono sue ni umareta 偽りの流因を持つ者、それが落ちの巫女たちです。偽りの流因、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの落ちの巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。流因は やはり人のありようを歪めてしまうか。節立ちなさねばな。御意。戦況に至るための高集めも進んできたな、狼よ。引き続き頼むぞ。光輝を放つ石が祀られた村が 南下場から飛び降りれば。鳥居をくぐった方向から。そちら。わかった。源の水が濃くた。はい。落ちだには城の林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、まともな道は繋がっておらぬが。なあ、そなた。ジェパリュ。ジェパリュ、ジュトゥ、メルド。 ダメ。戦況に至れた狼よ。なあ、そうだ。そなた、香炉の残りがは嗅いでみたか。はい。何やら木屑のようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。お、そなたもそう思ったか。 ただあの香り、桜のようでいて少し違う。どうした狼。あの香りどこか懐かしい。嗅いだことがあるのか。おそらくですが思い出せません。そういえばエマ殿が昔 城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。OK. Tac tac tac. Alors il faut retourner au niveau de la vallée engloutie. Pas trop où c'est que c'est ce bordel, on va aller voir. Bonsoir Eggworld. Reiko Jojo, salut à toi. Tu en es où là à peu près? J'ai vaincu j'ai vaincu Babouche, hein, le gros singe. Et puis voilà. J'ai tué aussi un gros serpent, ce qui m'a verrouillé un trophée. Ah ouais d'accord. Yes! Yes! Une écaille. On a pile le nombre suffisant. Pas récupérer la fleur de babouche parce que je savais pas qu'il y avait la fleur derrière. Attends à un niveau en fait, c'est pour ça.
Bordel! Encore des poissons? Ah. Quelque chose me dit que ceux-là, ils me louteront rien. Morceau de minerai. Attends, ça c'est cool. On va pouvoir acheter enfin le morceau de masque à l'autre là. Ok. De garagine. Je sais pas si c'est ce que Lucas voulait qu'on aille voir, hein, mais. Grosse bourse, putain, excellent. Grosse bourse, ça donne combien? Ça donne... attends. Ça doit donner 1000. Hein. Ça doit donner 1000, un truc comme ça. Et une autre écaille. A récupérer 1 milliard d'écailles ici. J'apprécie. Bon alors attends, par contre il... Le bassin de poison, il est pas là en fait. Moi je pensais qu'il était là. On va se remettre là. Il y a une idole qui s'appelle bassin de poison. Ah! J'ai pas fait gaffe qu'il y avait une idole qui s'appelait comme ça. J'ai pas débloqué du coup. Profondeur d'Ashina. Ah yes. Merci. Vous savez, je suis aveugle. Voilà, tout ça, c'est pas grave. Ok. Donc du coup, faut que je retourne là-bas. D'accord. Pour faire quoi là-bas? Ah. Axandrael, merci beaucoup pour l'hébergement du stream. Merci énormément à toi. On avait récupéré les items du coup qu'il y avait... On n'a jamais récupéré les items là-haut. Hein. Putain. J'ai jamais compris comment par où fallait passer. Hein. C'est chiant. Bien le bonsoir, The Kiwi. Continue le cheminement normal. Ah, mais c'est là où vous me disiez que. Ils sont où les gens? Eh, tout est détruit. C'est là où vous me disiez, il y a que... un bonhomme. Nani ni yarareta. Oh, Zar. Kubi ga. Kubi ga. Et du coup, salut Axandrael. Quoi ce bord? Grand singe de what the fuck, j'ai déjà tué le singe. Non, encore. Mais il est toujours pas mort. Ah mais ça fait... Aïe. Non. Merde, putain, moi je sais plus le faire. Oh, attends, attends. Mais non. Mais j'étais pas prêt à ça. Mais non, mais encore. Sauf que cette fois, ils lui ont mis directement 2 barres. D'accord, mais je ne sais plus jouer en fait à ce jeu.
D'accord, génial, merci. Ah, salut God Granny. Salut Aden. Aden, rejoins le culte du Booyah. Merci beaucoup à toi Aden, merci énormément pour ton 14e mois d'abonnement, incroyable. Merci beaucoup Aden. Ah là là. Bah super. Devoir se retaper le macaque. Encore devoir lui apprendre le respect, ce fumier. Ouais, attends, je sais plus le faire, moi. Faut que je... Ah, mais génial. Ouais, ouais, ça va le faire. Allez. C'est... Mais c'est bizarre, quand même. Putain. Encore lui, quoi, tu sais. Ah, t'avais galéré. Bah tiens, on va te le remettre. Lol. Allez. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok, d'accord, j'ai esquivé la pire attaque du monde. Putain, et je fais des dégâts. Tu peux pas esquiver en fait, c'est soit tu dévis, soit tu crèves. Très sympathique comme, comme toi. Encore ? Bah tiens, surprise ! Ok, d'accord. Encore ? Putain ! Spam ! Spam ! J'ai pas pu le toucher. Pas très gentil de jouer comme ça. Voilà. C'est quoi ce bordel? Oh putain, il a des renforts! Mais sérieusement, les mecs! Il y a une barre de vie, l'autre putain de singe de merde! Ou... C'est un loup d'Enzalen, quoi, le bordel! C'est... Attends. Merde! Oui! Mais oui, mais oui! Le fun! Putain, qu'est-ce qu'on s'amuse dans Sekiro! Oh, quelle grosse marade! Putain, mais il sort d'où, l'autre singe de merde? D'accord, je dois faire quoi, moi, je dois... Bon, celui-là, je l'ai entamé. Peut-être commencer par lui. Ok, d'accord. Bon, ou pas, en fait. What?
Quelle bande de FTP dans ce jeu! Bon, le soin bien sûr, hein, le soin. Ah, et pendant ce temps je peux attaquer. Ou pas, parce qu'il me fait des combos de... Putain, c'est... Aïe. Ok. Et allez! Putain. D'accord. Non mais sans déconner, je fais quoi moi? Bon. Le seul moment... Putain de bordel, tu vas... Casse-toi, grand adèle. Ah putain! Oh oui! Le feu! Ok, d'accord! Le feu! Oh, mon Dieu, cette tête de vainqueur! Oh là 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 là! Ah. Si tu tues le singe gardien, l'autre disparaît automatiquement. Oh, l'aide divine! Ah, c'est pas... Comment je pourrais dire, le marron avait l'air quand même plus simple à tuer que l'autre, hein. Mais bon. Cool si tu first try. Ah merci Badcore, ça c'est du bon conseil. En effet. J'avais jamais vu ça quoi avant. Nice. Bon bah alors du coup ce boss bah il se tente quoi. Il se tente bien. Bah, j'aurais dû le posséder, il m'aurait peut-être aidé pour le combat de boss. Panier de cendre. Alcool de singe. Ouais, des dialogues en plus, trop bien. Putain, ce serait trop beau ça, tiens. Je peux pas sauter. Et en fait, là, c'est là où on l'a affronté. Lui, en fait, il est tombé comme une merde et puis il s'est ressuscité, quoi. Ah oh, d'accord. Ah. Ah non mais hey, c'est ouf hein. Ah hop. Ah ouais d'accord. Coudra canon jaune, super. Bah merci les mecs hein, franchement là. De très très bonnes astuces. Et du coup attends, parce qu'il y avait pas deux items, il y en avait un sur la tête et il y en avait pas un ailleurs ou... Si, il y en avait un sur la tête justement. Là. Sla. Ça a foiré. D'accord, perle de chapelet, bah je prends. Bon bah cool. Petite perle de chapelet. Ah.
Non, on va pas tomber de là, ça sert à rien, autant l'affronter. Bah, j'ai pas compris, ouais, on a détruit le verre, enfin, je sais pas, c'est bizarre. N'y allez pas, et tu peux le taper ? Yo bitches! Il se remet la tête juste pour ça. Ah quand même. Bon, on va focaliser la femelle apparemment, hein. Il appelle sa femme. Hé chérie, je suis mort depuis des siècles contrôlé par un ver dégueulasse. Mais si tu pouvais m'aider à tuer cet homme, ce serait pas mal. Okay. Si, il m'a perdu du... LOL. Faudrait que j'arrive à lui foutre le feu à la femelle. Eh oui, je vais mettre le feu au cul de ta femme, et alors ? Oh, il a pris le feu pour sa copine. Encore, je trouve, ils sont pas si tanky que ça quand ils veulent, quoi. Tu peux quand même garder tes distances et tout. Ludenzallen à côté, c'était beaucoup plus compliqué parce qu'ils étaient tout le temps sur ta gueule. Et de temps en temps, ils avaient des attaques à distance, quoi.
Ça vous fait pas penser à Ludenza là, ça? Par contre, la moindre erreur et tu te prends... masse de dégâts. Par contre, ouais, attends. Il faudrait que le blanc... Voilà, allez, attaque. On peut aller deux, par contre. Ouais, bah super. J'ai pas d'occasion, en fait. C'est incroyable, j'arrive à cramer que l'un et pas l'autre. Voilà, c'est maintenant qu'il faut attaquer. Bon, rien. Il a une portée. Bon, elle reste toujours à côté de son mari. Oh la gorgeous. Ça m'arrange pas. Putain, mais. On peut pas la voir. C'est un truc de dingue. La brûler une seule fois, c'est tout ce que je demande. Y'a ça, putain, connasse! Ouais, bah je vais pas l'empoisonner avec un coup. Quelle connasse! Ok. Et ok. Elle vient t'aider, mais bon... C'est le support, quoi. C'est pas... Chérie, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais j'ai vraiment l'impression que tu perds la tête. Sans... Voilà. Sans mauvais jeu de mots. Ace de Booyah! Il va me foncer dessus, donc c'est peut-être pas le bon moment, mais tant pis.
Christ, bouillard ! Bonne fois pour toutes ! Il est mort pour de bon ou pas ? Souvenir, singe sans tête. Le souvenir d'une bataille avec un ennemi rare et redoutable qui vit dans le cœur de loup. La puissance d'attaque peut être augmentée définitivement si vous communiez. Ce souvenir est celui du singe gardien sans tête. Un animal géant doté du pouvoir des morts vivants. Mais what ? Perle de chapelet, bah j'espère bien. Perle de chapelet. What ? Tu gagnes deux perles sur ce combat ! Oh, c'est trop cool ! Oh, il bouge encore. Oh ! Immortalité rompue ! Mais oui ! Effusion, un ninjutsu qui utilise le sang de la victime pour allonger la portée de votre lame. Ça, ils aiment bien ça chez From Software. L'utiliser requiert des emblèmes spirituels. Activé après un coup mortel dans le dos, cette technique a été découverte par Lou, qui décapita un adversaire avec la lame de la mort. Elle permet de créer une épée maudite en utilisant le sang de vos ennemis. Si la technique ressemble à l'âme de la mort, elle ne permet pas de tuer les immortels. Oh, on irait bien. Putain, mais il était encore en vie sinon le bordel. Hein. Je comprends pas. T'as beau tuer le mille pattes ou je sais pas quoi, ce qu'il y a dans le corps de l'autre. Qu'il infecte le corps de son autre. Et je sais pas, t'as beau le tuer, il revient sans cesse. C'est un truc de dingue. Waouh. Ah, c'est excellent. Merci à vous en tout cas pour m'avoir. Si. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait quoi ? À peu près une heure que le live a commencé, on a fait que des trucs qui étaient pas forcément prévus au programme et putain, on a trop bien géré. On a géré là, franchement. Je suis fier de vous, les gars. Alors, je vais encore retourner à l'autre pour voir si elle me redonne du riz. Je sais pas à quoi ça sert en vrai qu'elle me donne du riz, là, l'autre connasse, mais. C'est où déjà? Ah, c'est là. Sanctuaire intérieur. Ah, super cadeau, Lucas. Merci beaucoup. Mais honnêtement, le combat est plus simple que certains double boss de Dark Souls. Je pense notamment à Einstein et Smo, qui sont tous les deux sur ta gueule tout le temps. Ces deux-là à côté, enfin... Après, je sais pas. Peut-être vous, sur vos parties, vous les avez trouvés infâmes. Je n'en sais rien. Mais honnêtement, de ce que j'ai vécu, moi, dans les double boss des jeux From Software d'époque, Einstein et Smo, bien plus dur. Ludenzallen, qui sont très chiants. Il y en a un qui se soigne. En plus, c'est génial. Et qui sont à la fin d'une zone dégueulasse. Enfin, je sais pas, tu vois. Il y a plus de difficultés, je trouve, dans ces boss. Miko no shinobi, omachi shite imashita. Sumimasen, okome ga mata. Putain, donne-moi du riz. Compliqué de me donner du riz. Bon, on sait rien. En vrai, ça sert peut-être à rien, je lui demande à chaque fois du riz. Mais je sais même pas à quoi ça sert, en fait. Je sais pas. Je me dis, est-ce que c'est un item qu'on peut choper et tout? Trop bien. Allez, on va retourner à la porte de la grotte nuptiale, c'est parti. Au village Mibou, à la maison où tu peux écouter à la porte, tu peux passer par en dessous pour atteindre un autre chemin. Ah. Ah mais je vois qu'il y en a qui sont quand même assez d'accord avec moi sur le fait que, je sais pas, là t'es quand même souvent en paix, t'as le temps de te dire bon qu'est-ce que je peux faire. Le singe blanc est ultra tanky, l'autre elle fait rien, de temps en temps elle vient te voir et puis c'est tout quoi.
Ah bah c'est pas mal, c'est ça, il est comme les boulettes, hein, sérieux, moi j'en veux bien 3 tonnes du riz, hein, c'est pour ça que je lui demande. Ah bon. Salut Dantes.